Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo de Wulong, donc nouveau chapitre de notre aventure. Donc pour résumer, on avait donc le début, on a la rébellion des turbans jaunes, on a le passage où on doit récupérer le sage immortel. Après c'est Dongzhuo. Après on a, vu que Dongzhuo meurt, on a la séquence avec Lubu. Maintenant Lubu est mort. Et du coup, on enchaîne sur autre chose. Donc, on a, c'est Yuan Shao, je crois, qui est devenu méchant, en fait. Enfin, en gros, qui se fait manipuler, surtout. Alors, Yuan Shao, qui a vaincu Gong Sun Zan et dominé la région de Hebei, se dirige soudainement vers le sud. Cao Cao se retrouve bientôt envahi sur les rives du fleuve jaune par une force si vaste qu'elle semble encercler l'horizon. Cependant, ayant reçu de l'aide de Guan Yu, Cao Cao est déterminé à se battre jusqu'à la mort. Le seul moyen d'avancer est d'aider Guan Yu et l'armée de Cao Cao à repousser les forces de Yuan Shao. Et ben voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que ça enregistre ce qu'on a fait. Donc on avait appelé Zhang Liao, parce que pourquoi pas. Même si honnêtement, le... Oui, bah de toute façon, on peut plus le faire partir maintenant. On peut... Non, on peut pas. Ouais, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas vraiment son équipement. On l'a vu, bon, bah, l'épée elle a l'air sympa, mais voilà quoi. C'est tout. En tout cas, en avant, j'ai pas changé d'équipement. On a toujours, on est toujours en mage en fait. Pas enfin, mage mixé avec l'équipement de Cao Cao, parce que comme ça on peut voir les drapeaux sur la carte. Allez, on avance. On avance. Ouh, ça s'est mal passé ici, voyons. If my brother were to die, there would be nothing left for me but to follow him into the abyss too. But I can sense it in my heart. Brother still lives. Ida too. I know I shall be reunited with them once more. Ça marche. Je détecte des gens qui sont en théorie juste à côté de moi. Attends, y a un mec au-dessus ou pas? Ah oui, 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 c'est bien ce que je pensais. Très très bien, il y a sûrement un mec à gauche en embuscade. Ça va, t'es pas aveugle, c'est bien. Montrez un peu ce que vous savez faire. Without hesitation, my blade is always at your service. Wow. Alors, niveau d'incompétence, pas mal. Hein. Waouh, elle sert à rien son attaque. Ouais. Eh ben. Vive l'équipe. Hein. Vive l'équipe. Prend de l'altitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. On va remonter, on va aller sur le passage de gauche, on va voir un peu ce qui se passe. Ça va sûrement casser ça. Ouais. Ok.
On commence à avoir de l'équipement, beaucoup, enfin beaucoup d'équipement, plus 6, plus 7. Trucs comme ça, donc on pourrait augmenter tout notre équipement à plus 6 ou 7. Parce que pour l'instant, mon armure, elle est toute 5. Pas plus. Ah, attends. Parfait, en plus on est en hauteur, on peut tomber sur les ennemis. Nickel. On l'a tué avec les dots. Enfin, pas les dots, parce qu'on lui a pas mis le feu, mais on lui a tué en feu. Même s'il bloquait, le feu, il fait en fait, il passe à travers le blocage. C'est sympa. Bon, lui, j'imagine qu'il est complètement aveugle, comme d'hab. Oh. Je me demande quel est le niveau pour faire les builds. Je pense que 100 semble bien. Nous, on a, nous maintenant on est à 111. 100, je pense que ça semble potable. Ou alors 110, 120 peut-être à la Dark Souls 1. Parce qu'on a genre 40 et 40. Genre 40 dans deux stats. Semble intéressant d'avoir ça. Pourquoi? Bah parce que... tout simplement parce qu'il y a des magies et ça vous fait... Très bien. Ça vous fait deux stats sur 3. Qui est maxé. Pour par exemple les armes. Parce que les armes c'est toujours 3 habilités. Enfin, pas habilités mais 3 statistiques. Donc là ça en ferait déjà 2 sur 3. Donc ce qui est très potable. Si vous voulez maxer par rapport à ça. Et après c'est pour les magies, genre par exemple là on a la glace, je crois aussi c'est 40. Ouais, 40. Et après le bois aussi c'est 40. Joli. C'est 40, donc ça me semble bien. Et après, il vous reste 20 niveaux à mettre un peu n'importe où vous voulez. Genre un peu de terre pour avoir plus de vie. Des trucs comme ça. Par contre, j'ai vu que derrière la porte, il y avait un petit drapeau. Ça, je me rappelle. Mais je crois pas qu'on y ait accès encore. Ouais. Attends. Ouais, non. Ouais, c'est sur les remparts. Donc ouais, 100 peut-être, donc ça ferait 40 et 40. Donc après vous avez 20 niveaux pour mettre où vous voulez. Donc 100. Donc 80 pour 2 stats au max. Et après 20 comme vous voulez. Ou alors vous augmentez un peu, 110, 120 peut-être. Mais je pense que niveau 100, vous pouvez faire un truc potable. Genre par exemple, moi, j'ai besoin du niveau donc 40 et 40, là. Et après 13, le maximum, pour les bulles toxiques. Donc, voilà. Ça me paraît potable. Là, ça va casser, faire gaffe. Alors, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Je ferai toujours une pause au cas où, parce que à chaque fois, si vous avez remarqué, je faisais des enchaînements d'épées, après je m'arrêtais, je me mettais en bloc. J'attendais qu'il fasse
une attaque critique, mais il en a jamais fait. Très bien. Donc ouais, je pense qu'avec déjà niveau 100, je pense que je m'étais plus ou moins arrêté à 100 pour Nioh. Je crois que c'était 100. Je pense. Ou 120 peut-être grand max. Et j'ai fait le jeu en, avec toutes les difficultés comme ça en fait. À ce niveau-là. Donc une fois que vous avez trouvé votre build et tout, il n'y a plus trop de problèmes. On va aller sur le gros d'abord. Putain, j'arrive pas. Ok, d'accord. Non, je sais pas. J'arriverai pas. J'ai fait des esquives au lieu de bloquer. J'ai trop... Ouh, rang 9. Ouh, nickel. Ça, c'est rare. C'est les premiers qu'on a, je crois. Ouais, j'ai fait des esquives au lieu de bloquer. C'est pas grave, ça arrive. Je dois bien pouvoir cacher le nombre de ki qu'on a. Au bout d'un moment, on s'en fout un peu. Et ce qui est bien dans le jeu, c'est que... Enfin, dans Wulong, on peut, genre, garder les niveaux de côté. Du coup, ça, c'est intéressant. Bon, ça, je trouve ça cool. Donc, on pourrait faire un build et on le met à 100. Oh, il y a un objet en bas. On peut aller là? M'étonnerait. Oui, non, on peut pas aller là. Take heed in your step as we proceed. Ah ouais. Donc ouais, je trouve ça potable. 100. Pour un build. Je pense que plus ça sert à rien. À moins que vous voulez 40 partout, bah là vous... Je sais pas, vous faites... genre la momie 3 avec Jet Li là, le maître des 5 éléments. Vous avez 40 partout. Alors... This fog is so thick I can scarcely see beyond my toes. Watch out for ambushes. Ouais. If only we had some kind of waypoint to guide us through here. Ouais, genre qu'on puisse voir les ennemis... sur notre map sensorielle, j'avoue. Ce serait vraiment pratique. Ah, j'avoue, de pas voir les ennemis, hein, c'est galère. Hein. C'est pour ça. Hein. Oh, attends, toi, on va faire... Ah, il m'a pas vu. Enfin, il m'a détecté un peu, mais après... Hop là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, n'hésitez pas, hein, trouvez des effets qui aident. Hein. Moi, c'est à chaque fois ce que je dis. Hein. Des gens, ouais, c'est très difficile, c'est un Dark Souls. Non, non, vous faites genre effet sur l'armure, vous voyez les ennemis. Déjà, ça vous... Alors là, ça vous déjoue en fait toutes les embûches. C'est super pratique. Merde. Non, c'est ça que je voulais faire. Il m'a touché, mais c'est pas passé le con. Ouais, il m'a fait baisser un peu mon moral, c'est pas grave. Ça va. Il y a un mec sur la gauche. Je pense qu'on aurait pu lui sauter dessus, en fait. C'est juste qu'il m'a vu au mauvais moment, en fait. On va dire. Ah, mais merde, il est juste là. J'ai cru qu'il était en bas.
Ah, c'est la torche que je voyais, en fait. Ah ouais, non, mais ça aide. Voilà, ça sent dans ta gueule. Alors, je parlais avec un ami du Discord. Il paraît que les gens se plaignent déjà du jeu. Parce qu'il y en a qui ont fini le jeu, évidemment. Moi, j'en suis pas encore là. Et ils se plaignent du NG+, que c'est trop difficile. Voilà. Ah, la commu FR, hein. Limite des attardés. Oh oh. Il y a le... Il y a un oiseau qui est quelque part. Très bien. Oh. Ah là là, comme il est rapide. Ah, il fait mal avec son arbalète par contre. Hein. J'avoue qu'il fait mal. Ouh, essence de veine de dragon, nickel. Donc c'est là qu'elle est. Ça aussi, c'est très bizarre que ce soit un objet utilisé comme ça. Enfin, je sais pas, j'aurais bu. Il devrait être automatique en fait. Un peu étrange. Ok, donc on a un passage là. Ok, j'ai vu qu'il y avait des zombies. On va pas les tuer pour le moment parce que. Apparemment, c'est la suite du chemin. Toi, par contre. Ouh, c'était juste. Épée rituelle du chaos. Ah, mais. Elle est pas très haute. Ah! Tada! Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est quand même nettement mieux avec le boost. Hein. Ah ouais, il faut vraiment le boost en fait pour mettre des altérations d'état. Ouais, il devait être au-dessus. Oh, qu'est-ce qui se passe? On peut me dire d'où tu viens, toi? Ah, il est sorti du sol. Ah non, il a creusé un trou. Sympa. Il a fait un trou. Ah, directement le réflexe de bloquer. Ça sauve des vies. Hein. Là, on a quasiment rien pris en dégâts. On va faire ça. Note d'un soldat de Cao Cao, fais voir. La grande armée de Yuan Shan nous a attaqués par le nord sans prévenir. Ils étaient jadis nos alliés, qui plus est, ils avaient des démons dans leur rang. Ces oiseaux monstrueux ont tué plusieurs de mes amis. Nous ne pouvons rien faire de plus. Nos épées sont brisées, nos flèches sont épuisées. Ok, on peut rentrer. Bon, c'est parti. On prenne le petit panda. Du coup, on fait comment pour le panda? Ah, faut faire le tour, ok. Ça marche. On remonte.
pas lui donner... Attends. Ouais, nouveaux objets. J'ai eu un 4. On lui donne du 3. La plupart du temps, il donne du 4 quand même. C'est pas très rare en accessoire, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on devrait donner du 4 plutôt. Et bah voilà, comme je disais. Un nœud décoratif. Bah attendez. Alors, fais voir un peu. Ouais, le ki primordial, on s'en fout. C'est pour monter de niveau, on s'en tape complet en fait. On s'en tape complet. On n'a pas besoin de niveau. C'est trop simple. Vous savez que j'ai jamais... J'ai pas farmé en fait dans le jeu. Parce que j'ai fait juste les niveaux une fois, voire... Enfin non, deux fois on va dire, parce que j'ai fait en coop et tout ça. Et j'ai jamais utilisé d'objets comme ça là, genre ki primordial et tout ça. J'ai jamais fait encore. Et honnêtement, Nioh 2 c'était pareil. J'ai rien utilisé. J'en avais 9000 et quelques des objets à chaque fois de pour avoir du ki. Ça sert à rien en fait de... Enfin, si vous mourrez pas en boucle, et en plus, Wulong est encore plus simple. Parce que si vous mourrez, vous perdez la moitié du ki. Bon après, si vous gagnez, vous récupérez votre ki. Hein. Et c'est même pas en fait par terre, genre même si c'est sur un boss, quand vous rentrez dans l'arène, vous le récupérez, je crois, automatiquement. Donc même ça, ils l'ont rendu plus simple, et puis comme j'ai dit, c'est la moitié, c'est même pas tout. Et avant, vous vous retrouviez à zéro, là maintenant, bon. Coucou. Donc ouais, pour monter de niveau, honnêtement, c'est nettement plus casu. Hein. Nettement plus. Ah, d'accord. Okay. Oh, pourquoi ? Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ah non. Ah, il les a vus, eux, par contre, je crois. Non, moi aussi, je sais pas. Mais merde. On a quoi? Un oiseau? Ouais. Ah, là-bas. Okay. Est-ce que ça passe les arbres? Voilà, très bien. Eh ouais, on fait mal avec les altérations d'état. Je sais qu'on a un petit drapeau à les récupérer. Ah ouais, on va redescendre. Vas-y les mecs. Without hesitation, my blade is always at your service. D'accord. Le mec qui dormait juste à côté de moi, c'est bien. Yes, on a notre glace. Oh, ok.
J'étais en train de regarder toutes les altérations d'état qu'il avait. C'est un peu abusé. Attends. Pas d'attaque et variété d'altération. Et la variété des altérations infligées augmente lorsque le niveau de morale est à 10 ou plus. Ouh, ok, ok. Ça, ça m'intéresse. Hein. Je suis sûr qu'on peut faire un truc super puissant avec... avec le truc en métal, là. Faudrait que je l'utilise. Faudrait que je l'utilise. Ouais, mais fin, après, on aura plus ça. On aura plus le buff. Ou alors, j'enlève... j'enlève ça. J'enlève l'électricité. On va voir. On va voir déjà si ça fait des dégâts ou pas. Ici. Ok, la suite a l'air d'être là. On va encore un peu fouiller. La magie métal là qui guérit des altérations d'état mais qui fait des dégâts en fonction des altérations d'état. Ça c'est le début ça. Ouais. Ouais ouais, on peut peut-être tester ça en plus avec ce dragon là. Alors qu'il met des altérations d'état. Alors après est-ce que... Genre il faudrait des... Enfin non, non si ça doit fonctionner. J'allais dire une connerie. Ouais, on peut avancer, je crois. Ah oui, non, il y a toujours ce drapeau. Ok. Ma putain. Ah, je dois avouer que le moral, si ça se passe mal ici, vous allez avoir un problème, hein, parce qu'on est toujours qu'à 6. Donc si vous crevez en boucle, bah, ça risque d'être compliqué en fait. De le maintenir. Donc ça se passe bien, on est à 16. Passer par là, évidemment. Évidemment, ils sont tous aveugles. Après, on a beaucoup de discrétion, donc bon. Donc à la limite, c'est normal. Dire que moi, qui ai tant d'exploits, mon actif sous les ordres du général Yuan, moi qui me suis élevé au plus haut rang de l'armée, je me retrouve être le subalterne d'un obscur taoïste surtout sorti de nulle part. Il ne me reste plus qu'à me procurer de l'élixir. Je leur montrerai alors que c'est un général de premier plan et que je laisserai Daima baigner dans un océan de cadavres. Je suis sûr qu'on peut le backstab. Pas. Par contre, il y a ça. Ah bah parfait, merci. ...188 de dégâts. Oh, t'allais mourir. Je veux qu'il meure de la glace. Il est lent. Oh, il l'a piqué. Il a piqué le kill.
On va se reposer. Alors, ça c'est peut-être pas très utile. Donc moi je voudrais phase métal. Alors c'est ça. Ah merde, il faut 30. Et ouais, du coup c'est vraiment le gros truc. Ouais. Non, c'est pas très bien. Après la phase bois, je crois que ce qui peut être plus intéressant que le barbelé là, ce serait les éclairs qui tombent le courroux céleste. Mais c'est très très lent à s'engager en fait. Donc ça c'est un peu le problème. Après si on prend des petites magies, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est pas comme si on pouvait en avoir 50 000 et prendre genre une petite. Genre pour le combat normal en morale bas et après on utilise les grosses en morale haut. Non non, là on est bloqué quoi. Enfin, on est bloqué avec 4 magies. Je vais pas aller au feu, enfin au drapeau, toutes les 5 minutes pour changer de magie. Non non, je vais pas faire ça, ça va me gaver. Donc ouais, moi j'aime bien le cauchemar barbelé, hein, mais je sais pas. Courroux céleste est peut-être mieux. Là, ça fait des purs dégâts de foudre. Honnêtement, les magies les plus hautes, elles sont pas très bien. J'ai testé ça, la centrifugeuse brûlante. C'est fun. Mais c'est juste fun. J'ai fait des missions qui étaient bien plus basses que mon niveau. Honnêtement, les dégâts, ils sont bof. Hein. Ils sont très très bof. Genre, pour le moment, la glace avec les stalactites, c'est le mieux. C'est le mieux. Et pourtant, mon équipement a flamme dégâts plus. Hein. Donc, ouais, je comprends pas trop, en fait. Ouais, c'est un peu triste. Ça doit être marrant. Par contre, on a l'air de... On a l'air de faire un genre 15 km, quoi. Ça a l'air marrant. Ouais, on va tester ça. Mais c'est très aléatoire et c'est très lent. C'est très lent pour s'enclencher, en fait. Donc, ouais. Mais bon, en théorie, ça devrait être une meilleure magie de type foudre que ce qu'on a. On verra. On verra. Wow, ok. Bon, il a pas besoin de nous. Ça, c'est le général, ça, non? Ou alors ça, c'est le général, plutôt. Ouais, ça, c'est le général, ça. Ah mais tu peux booster encore un démon. Putain c'est ouf. Ah ouais d'accord, le machin c'est infini quoi. Oi 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 oi. Wen Shu et Yan Liang. Ah, il y a déjà plus de... C'est énorme. J'avoue, avec nos dégâts, vu que c'est des gros trucs, ça marche super bien. Hein. Oh, il le réanime. Ok, il faut les tuer en même temps. Ça marche. Aïe. Ok,
Vous avez vu le moral? Cool. Vous avez vu le moral? On les a... Il y en a un qui était réduit à 9, quoi. Tellement qu'on les a bloqués et tout, c'était marrant. Magnificent. Now we've taken Baima back. Yunchang. It's spring. A fine season to set out on a journey. In Yanjin. Some are saying that Qinlong descended from heaven. And that he has been imprisoned by a human. Can it be that my brother is there? Why not visit this rumored location and find out what is going on? We brought the horse that was tethered in the stable. Ah! Red hair. Ouais, c'est le livre rouge. It's alive. It can travel 1,000 miles a day. But it is said that it chooses its master. Ah, mais je crois que Guan Yu il peut monter dessus. Ce Guan Yu et Lu Bu, ils sont tapés plusieurs fois et genre il était très fort Guan Yu. Quasiment aussi fort que Lu Bu. Ouais, je crois que c'est il va le prendre maintenant. Il va le chevaucher. It seems there was nothing to worry about. I should have expected nothing less. Just a small gift. You may set out on your journey now, Yunchang. Without fail, I, Guan Yu, shall repay this favor someday. I hear Yanjin Fort is already a den of demons. Will you lend Yunchang your aid? Normalement, on n'a pas fini la mission. Il me manquait plein de gros drapeaux. Ça doit être la deuxième partie. Ah, la taille qui fait, lièvre rouge. Vache. Ida. So, you're alive. You went over the Cao Cao. While I was searching for our brother, you. Wait, Ida. I know where our brother is. I won't let you off that easy. I am no liar. By the Azure Dragon Crescent Glaive, I swear it. Oh. What can I say? I believe you then. Le mec qui réfléchit jamais quoi, Zhangfei. Le mec qui... Genre qui prend des conclusions genre pour le moindre détail. Il y a un truc qui se passe et... C'est énorme. Monter sur le cheval, voyager à Baïman. Oh, ça c'est bien ça. Ok. Là, on arrive à un truc intéressant avec des zones, genre des missions qui sont très grandes. Donc du coup, on peut voyager ou rester. Ça marche, ok, intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors, fais voir un peu ce qu'on a récupéré, ce que j'ai vu. Alors, grève des étoiles terrifiantes. De... Ouais, ça, c'est le... Comment il s'appelait ? Ah, ça c'est de Wenshu par contre. Non, j'ai rien dit, c'est pas lui. Donc, dégâts subis en moins. Ouh, c'est bien. Perte de d'esprit en bloquant, ça c'est très bien. Ouh, ça doit être pour tanker en fait. Réduit dégâts d'esprit subis en cas d'attaque, très bien. Ouh, dégâts au marteau. Bon, après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à au max, hein. Mais j'avoue que les deux débuts du début là, c'est vraiment pas mal. C'est une armure lourde. Elle est à 8%, c'est aussi élevé que celle de Lu Bu. Donc ça c'est intéressant. Et ça c'est le marteau du coup. Donc
terre, métal et feu. Intéressant. Briseur de montagne. Ouais, bof. Pas plusieurs fois au sol où vous vous trouvez. Ok. Ouais, l'attaque est pas folichonne, quoi. Mais après, j'avoue que, bon, c'est 307. Donc, on peut peut-être la réduire et tout. Et, ouais, genre le spammer, peut-être. Par contre... Ah oui, ça, c'est de Yuan. C'est du moyen. Alors, monter les frégailles en attaquant un ennemi. Réduire mon esprit dépensé en parent. Monte le gain d'esprit en attaquant. Ça, c'est quand on fait quoi? Une parade réussie, ça marche. Dégâts du sabre courbé. J'espère qu'elle va être bien. Ah, je crois qu'il y avait une attaque comme ça dans Dynasty Warriors où tu tournais autour de l'ennemi en tapant. Mais par contre, c'est 500. Alors, fais voir un peu. Putain, de scrolling de merde. Désolé. Bondissez sur l'ennemi avec votre lame en vous déplaçant derrière lui, puis tournez-vous, effectuez une estocade. Enveloppe votre arme de flamme, augmente les dégâts et empêche de vaciller. Ok. Est-ce qu'on aurait trouvé notre nouvelle arme? C'est en feu, donc c'est d'abord du feu. Nous, on a d'abord du bois. Ouais, nous, on a 40 de bois, quoi. Après, elle est déjà niveau 7. Elle est 418. Celle de KO, elle est 483. Elle est en plus 8. C'est pas... Oui, ça, c'est pas énorme non plus, hein, la différence, hein, faut avouer. Elle a enchantement de flamme, en plus, tiens. Ah mais non, mais merde, c'est, pardon, je vais regarder la mauvaise. Elle a quoi? Dégâts d'esprit. Oui, elle a rien de pas spécial. Un peu. Après, elle est pas très belle, j'aime pas trop ça. Ah, on peut la tester, juste combattre un peu vite fait avec. J'espère que le petit drapeau, il est pas dans la première zone. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ouais, ça a l'air de target en fait, donc ça c'est bien. Donc si jamais on n'arrive pas à tourner autour, on peut quand même cibler les attaques. Attends, poussez-vous les deux zigotos là. Mec derrière moi. Bon, attends, on va faire lui d'abord. Ah, vous faites chier. Ouais, le problème c'est que le feu reste pas longtemps. Quand on a des chargements comme ça, bah vu qu'on peut le faire facilement, bah du coup, oui, et du coup ça se passe vite, ça part vite quoi. Par contre, les dégâts sont très bons. Les dégâts de feu sont, ont l'air d'être très très bons par contre. D'accord. Mon dieu. Go, go, go. Oui, par contre, pour mettre le feu, c'est vachement pratique. Alors, le coup, c'est... Notre problème, ça va être de garder un esprit élevé, en fait.
Mais ça pourrait être une très bonne épée pour nous. On va un peu la garder. C'est quoi ma deuxième attaque? Ah oui, pas mal. Ouais, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut un ki positif, en fait, pour qu'elle prenne feu. Du coup, c'est... C'est un peu compliqué. Mais... Ouais, ça peut être pas mal. Après, le gain d'esprit en attaquant serait pas mal. Du coup, il faudrait une deuxième partie. Je crois pas que j'en... Je l'ai en... Non, je l'ai pas en... Ah non, mais c'est de ce côté-là. En 4 étoiles, en tout cas. Mais ouais, on pourrait genre prendre ça. Waouh, d'accord. Non, mais c'est pas ça, là, en fait. D'accord. Ah, mais c'est ça, l'armure de l'autre, là. Ok. Nous serait... Non, général volant, c'est de l'oubou. Tenue d'assassin. Tous les éléments, la défense d'éléments... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, tout ça pour dire que... Ouais, c'est... Après, le mouvement, il est peut-être plus sympa qu'à la limite une épée droite. Il y a moins de tourniquets, genre... c'est plus frontal. Ancient Imperial Tombs. Something here sends a cold shiver down my spine. Ouh, c'est quoi ce truc? Ah! Tiens. I do hate it when my premonitions are right. Turns out you're the statue but exudes such a dubious air. Bon, allez, on va dire que les éclairs sont peut-être plus intéressants quand même. Oh mon dieu. Oh non, j'ai pas de carreaux, bordel. Faites chier, hein, avec votre jeu à la con. Là. T'es suicidé ou quoi? Je suis un NPC et je suis débile. Oh lol. Ah oui, j'ai augmenté le... Ah merde. Ouais, j'aime bien l'attaque aussi. L'attaque comme ça. Elle est très rapide. J'ai augmenté l'arc de tigre là. Grave robbers have dirtied their filthy hands once more, it would seem. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, masque de sorcier, c'est ça en fait que... qui pourrait être très intéressant pour nous. Attendez. Nouveauté, c'est ça. Consommation d'esprit pour les sortilèges. C'est toujours ça en premier. Et apparemment les pourcentages sont très bons du coup. Parce que les... Bah tiens, on m'a dit, Guldruck m'a dit, que si on met les stats... J'ai pas regardé personnellement, j'ai pas vraiment pris le temps de tester. Si on met les stats nous-mêmes sur un équipement, ça sera moins bien que si c'est l'équipement qui a les stats de base. Donc, on pourrait tester. Donc voilà, si vous pouvez farmer genre le masque, bah c'est bien. Au moins vous êtes toujours sûr d'avoir la stat. Il y a encore un truc qui doit être en l'air. Je suis sûr qu'on peut passer à l'échelle sans qu'il nous voie. Ah, c'est pas celui-là. Oui, c'est là. Ah, mais merde, l'échelle est pas descendue. Ça marche. Hop là. On a réveillé le zombie. C'est bien.
C'est juste bête que ça soit du feu, en fait. Ouais, c'est juste bête que ça soit du feu. En fait, c'est vraiment l'arme pas pour nous, en fait. Mais bon, j'aime bien le fait que... Ah, on va reprendre l'épée de Kaoka où elle fait quand même plus de dégâts. Elle est quand même un peu plus pour nous. Enfin, après, elle a quand même B plus en feu, hein, aussi. Hein. Mais bon, il y a quand même le... Le 40 de bois, là, qui fonctionne. Hein. Alors... Ah! Ouais, 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 c'est nettement mieux. Without hesitation, my blade is always at your service. It was an honor to witness such a fine display. C'était tout nul. Another stepping stone on our path to victory. Quoi? Attends, tu vas me dire que le truc il est ciblé maintenant? Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y avait un problème là avec la magie. On va refaire le tour parce que je crois que j'ai pas tout pris. Si. Ouais, ça doit être autre part ça. Avançons. Bizarre. Je comprends pas trop ce qu'elle fait la magie là. Je devrais pas faire ça. Ah, on a un petit drapeau, ça y est. Okay, cool. Merde, il y a un truc par terre. Ou alors au-dessus de nous. Ouais, non, par terre. Merde, je suis pas bloqué. Oui, mais... Très bien. J'ai bloqué, j'ai pas paré. Il est au-dessus. Ça va, il était pas en feu. Très bien. Ouais, il me faudrait une épée de feu. Une bonne épée de feu. C'est comme ça que on pourrait compléter notre build là. Ça, c'est pas mal de rajouter un effet de feu. Pas mal d'ennemis qui sont faibles. Ok, donc là on revient là, ça marche. Ça. Je crois que j'ai perdu les deux autres. Je sais pas où ils sont. Bon, je crois que là on a tout fait. Ah, quoi que non. Les mecs, vous êtes... C'est bon. Ouais,
Elles sont nulles les... Les statues. Non, c'est quoi ça? C'est secondaire? Leishi. Ah ah! Ah merde. Pas chiant quoi. Bienvenue. Oh, tu fais de l'éclair toi. Okay. Ah, regardez, vous avez vu? Je le bloque avec mon poison. Oh, alors là, on voit strictement rien. Ça va, potable combat. A prize worth far more than its weight in gold. Bravo. Putain. Pourquoi me faire chier quand on peut faire simple? Oh merde! Mauvaise touche! Je fais triangle. Je fais ça. Je sais pas pourquoi. Enfin, je fais Y quoi. J'ai fait Y au lieu de parer. Pourtant, je l'ai vu venir et tout, j'étais même prêt. Ah, il y a un truc, il y a un passage. OK. On pourrait arriver dans le dos du monstre, hein, je pense. Alors par contre, je veux juste revenir... Quoi? Je vais juste revenir parce qu'il y a des trucs. Putain, j'ai sauté trop tôt. Attends, j'ai sprinté, mais il a pas voulu sprinter, du coup je suis tombé. Ouais, voilà, là. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça, mais bon. Alors... Usage supplémentaire. On pourrait se reposer... Non, on va pas se reposer maintenant. Sinon je vais faire réapparaître les monstres près de moi, j'ai pas envie. Où est-ce qu'on est? Every corner of Yanjin has become a lair for these demons. Wow. Not a sign of brother either. Is it possible he formed an alliance with Yuan Shao? Eh ben. Ha!
go to his death for a worthy master. C'est pas mal, celle-là. On aurait dit genre Devil May Cry où on fait des combos, vous savez, quand on balance les démons en l'air. C'est le même système. Il est où, au-dessus ou il est derrière? Il est là. J'ai l'impression que j'ai une partie du niveau que j'ai pas faite. On fera peut-être un petit tour après. Après, on a eu les choses les plus importantes. Hein. C'est-à-dire tous les drapeaux, l'objet pour le remède. Toi, t'es un peu teubé. Oh! Ma faute, je l'avais pas vu. De bouger en fait. Voilà. Ah, j'avoue que c'est pratique hein, avec notre magie de glace. J'aime bien parce que des fois je vais à des endroits alors que vous voyez que c'est la première fois que je fais ce niveau hein, parce que j'ai rien débloqué et tout ça. Vous voyez que maintenant c'est de la découverte. Mais je vais à des endroits, je sais même pas qu'il y a un objet, il y a un objet à chaque fois. Genre je suis tellement habitué à la façon de savoir de comment ils font les niveaux et tout ça, genre depuis Nioh, genre où ils sait où est-ce qu'ils placent les objets et tout, que je vais à des endroits, il y a souvent des objets. C'est assez drôle. Ça m'a toujours fait rire quand ça se passe. Waouh, de la merde. Ouais, par contre, il y a vraiment une partie, je crois qu'on a zappé. Donc on va vite y retourner. C'était dans la grotte. Non, c'était la partie principale. Genre là. Pilleur de tombe. Je l'ai enfin trouvé, l'ancestrale tombe légendaire. Je vis sans compter après avoir mis la main sur le trésor qu'elle cache en son sein. Mais creusé m'a donné soif et j'ai bu une sorte d'élixir trouvé au milieu du trésor. J'ai été revigoré comme jamais auparavant. Mais qu'y avait-il dedans? Ah bah c'était juste pour ça en fait. Bon bah du coup le mec il s'est transformé en démon j'imagine.
Non, mais c'est bon, en fait. C'est pour ça. Ça, il faut les donner à une femme dans le village caché. Si je dis pas de bêtises, elle fait la collection, en fait, des histoires comme ça, et elle vous donne des récompenses. Pour le moment, c'est des récompenses bien merdiques. C'est... waouh. Genre fragments de joyaux, les trucs... on a 9000. Des trucs comme ça. C'est... waouh. Trop bien. Ah, là, il y a un objet, pardon. Je pense que c'est par là. Très bien. Et du coup, on a fait tous les drapeaux. Merde, je me rappelle plus, je crois. What a pitiful sight. Where are your precious sworn brothers now? Where are your allies? You understand, surely. Bonds are as useful as they are ephemeral. And yet, I still choose to believe in the strength of my brothers. Brother! You and Shao, don't you touch him, you cur! You are all bound together in life. And so too you will be in death! So, either forget about me, run! Brother, what's happened to you? Papa. And leave you no chance. Ok, il met des coups de queue. Pas fun. Ok, on peut bloquer ces zones de choc. Ouais. Ah! Ouais, on lui a mis le feu. Ah putain, les autres sont par terre. Non, ça va. Il a plein de debuffs, non? Voilà. Du dot et tout, c'est énorme. Ah, poison, feu et tout, ça fait mal, hein. Brother, brother, come to your senses. On dirait Snake et Liquid, quoi. Brother, brother. Ah, ça, je crois que c'est le dragon qui soignait. My heart was true, yet I lacked the strength to carry out what needed to be done.
We who were born apart shall die together. That was my oath to Yunchong and Yida, and so we made our first step out into the world. I have fought hard and lost so very much, nearly even my life. But even in my darkest moments of despair, there was one thing I never lost: the belief in my brothers. You showed me my beliefs were not misplaced. And so, with even stronger bonds to support me, I shall continue to strive forward. He's awake, brother! The memories of you and my brothers here quelled the raging demonic chi within me. I will always remember what you've done. I will have to find a way to repay you. I know. Why don't we watch the blossoms? I know a good spot for it. Sounds good to me. But our battle is far from over. You and Xiao would have all the land fall under the thrall of his demonized army. There was an unearthly sky reaching over Guandu. Are you saying that's Yuan Shao's doing? It is only by your hands now that this tyrannical rampage can be halted. We will do what we can here. Return to Minister Xiao. We must do everything in our power to stymie the ambitions of Yuan Shao. Yay. Je sais pas si l'esprit que j'utilise, moi, il a été renforcé. Là, ça, c'est le dragon qui soigne. Il est pas mal. Hein. Ça soigne tous les alliés et tout. Il est bien en coop, en fait. Ça peut vous sortir un peu des problèmes. Je crois qu'il est bien aussi pour régénérer, genre en parant ou en faisant des trucs comme ça. Donc, ouais, ça peut être un bon truc. Mais, ouais, coop, après solo, bof. Zhongmo, our aim is set. We ride into Guandu Fort. To take his head! Oh? So oh. Then, that's your answer. C'est pas lui! Ah, calme. You! I need only one who bears the blood of the Sun lineage. Those who disobey me shall receive a similar fate. Brother! Elder brother! Join me! Or follow your father and brother into hell. Now, what will you do, Sun Quan? Mais c'est qui nous tire dessus, là, du coup? C'est les Wu? T'en vois rien avec notre chapeau. Non, mais c'est juste les gens de l'armée de Yuan Shao. Guandu! Mais à Guandu. On va continuer du coup. Enfin, faudrait ressortir pour aller augmenter notre niveau, le niveau de notre équipement, machin et tout, pas jeter un coup fin, mais.
Mais bon, hein, le jeu on a décidé autrement. Donc la bataille décisive de Guandu. Alors que Cao Cao était sur le point de perdre face aux énormes armées de démons commandées par Yuan Shao, les victoires de Baima et Yan Jin lui permettent de passer à l'offensive et de manœuvrer pour reprendre Guandu. Cependant, toujours en possession de la grande quantité d'élixirs prises à l'aubou, Yuan Shao se défend. Pendant ce temps, Yu Ji continue d'agir dans l'ombre, il doit être arrêté. Après, oui, c'est que de l'annexe. Ouais, je voudrais bien la forgeronne. Vous voyez le système au début? C'était pas mal avec la forgeronne, en fait. Ils allaient dans un sens. En fait, moi, je pense qu'il y a eu des problèmes au développement du jeu. Honnêtement, ça se voit parce que... Il y a des bases, en fait, qui s'annulent au bout d'un moment. Genre là, si je vois pas la forgeronne, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tu me lances, en fait... Tu me lances dans les missions sans cesse. Parce que c'est des missions d'histoire. Et au début, tu me mettais la forgeronne, en fait. Et on pouvait lui parler, augmenter nos trucs. Bah du coup, tu me la mets dans toutes les missions. Tu dis, genre, la forgeronne, elle nous suit. Ou elle est venue nous aider pour sur un champ de bataille et tout ça. Donc, pour moi, il y a un problème. Parce que dès le début, c'était comme ça. Puis maintenant, c'est plus comme ça depuis un bon moment. À chaque fois, il faudrait retourner au village caché. Donc, non, pour moi, il y a eu un problème dans le jeu. Dans le développement du jeu. Ils ont eu des idées, ils sont pas allés au bout. Toujours dans la merde avec ses flèches aussi. Je vais te faire ça tout le temps là. Alors... Ah non, il y a eu un problème avec le jeu. Et du coup, bah, ça pourrit le jeu. Ça pourrit le jeu. Khan du hibou de la nuit, Zhang Jiao. Zhang Jiao, c'est pas celui de... sur banc jaune. Ça c'est un bâton du coup. Ouais, je suis pas trop bâton en fait. Vertu de saint, ça Xunyu, je sais plus ce que c'est. Ça c'est la hache. Je veux bien l'équipement de Xiao Dun honnêtement. À la limite, si j'utilise pas la hache, au moins j'utilise son équipement. On peut prendre Xiao Yuan et Dun. J'aime pas trop sa voix, lui. An ally, as trusty as they come. Ah, très bien. Après, est-ce qu'on a eu des trucs très intéressants? Je crois pas, mais je voudrais bien monter mes armes, en fait. On pourrait augmenter nos trucs. Bah enfin bref. Ah oui, ce que je voulais regarder, désolé, avant qu'on continue. Voyager, partie 6. Oui, on a tous les drapeaux et tout, c'est bon, nickel. Bon bah on avance. Wherever Mengde's army goes, I, Shao Ho Duan, will follow axe in hand. Many lives are at stake in this battle, and you better believe you will need me in the fray of it all. D'accord. Ok. C'est parce qu'ils sont potes qu'ils ont des phrases en plus ou quoi? Note d'un soldat de Yuan découragé. Attends, tu vois. Enfin, les catapultes de feu est en place. La catapulte de feu est en place. On dit que c'est l'armée de Cao Cao qui a conçu cette machine de siège. Ils m'ont ordonné de l'utiliser pendant la bataille entre les deux armées. Non seulement nous utilisons des démons, mais nous sommes aussi prêts à sacrifier nos propres hommes. Nos supérieurs auraient-ils perdu la tête? Ah. Moi j'ai envie de te dire oui. D'accord, il s'est arrêté juste devant moi. Alors, regardons ce qu'ils peuvent faire. Alors, fais voir un peu. Pas mal, pas mal. J'ai l'impression que Xiao Dun, enfin j'espère,
Merde, attends, y'a un truc qui m'a vu. Est-ce qu'il est vraiment tank-tank ou ils ont tous les stats, toutes les mêmes stats en fait? Bon, Xiao Yuan il utilise son arc, c'est bien. As if I needed encouragement. Bon, merde. C'est bien parce que j'ai bloqué mais j'étais dans l'animation encore. J'étais dans l'animation de... d'encourager. J'ai l'impression qu'on arrive presque à la fin du jeu. Je pense que le jeu en fait va se finir sur Yuan Shao en fait. Et comme j'ai dit, je prédis que les DLC ça va être le combat des trois royaumes. Mais putain, mais sérieux? Que j'ai arriver à parer ces merdes là, un truc tout pourri en plus. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça? On peut voir. Ok. Mais dis-moi, c'est tout nul! Sûrement des choses à casser avec. Allez. Ah oui, c'est vrai que j'ai aucune magie. Très bien. On va faire pareil sur lui, quoique. Non, si on peut. Ouh, je suis un peu loin. Non. C'est chier. Ah, c'est pas sur moi. J'ai essayé de bourriner sur la fin parce que le feu augmentait bien. Nickel. On va peut-être pas passer dans une fosse. Peut-être toi t'as tué des gens. Si on peut... Ouais. Oh, c'est de la merde. Voilà. On peut monter même par à travers le feu en fait. Ok, on a un gros là-bas. Et on va continuer sur le champ de bataille. Merde, je me suis fait voir par quoi là? Ah, c'est juste un zombie. Ah, putain. Merci les mecs, hein. Merci.
J'en étais sûr quand j'ai vu qu'il faisait le tour. J'en étais sûr. Ah, super. Il est où le machin? Il est là. Ah! Et ouais, mon combo. Oh mon dieu, le feu, si m'a fait mal. Je crois qu'on a des objets contre le feu, mais... Lourdeur. Ça, les... L'accumulation, ouais, c'est ça. Cristal. Cristaux de glace. Ouais. Je suis content, j'ai fait mon combo dessus. Bon, ça l'a pas tué, mais ça lui fait extrêmement mal. C'était cool. On a des objets là-bas aussi. Est-ce qu'on peut le combattre maintenant ou en théorie on doit faire le tour du ouais, niveau 5? Ouais non, on peut le combattre maintenant en fait. Il y a un truc là-haut. Image. Ah, je pense qu'ils vont nous tirer dessus en fait si on combat le gros monstre. Ou alors, est-ce qu'on peut tirer nous sur le gros monstre? Oui, mais bon, il n'y a personne pour le maintenir. Vous croyez que c'est pour, genre, nous aider à tuer des petits monstres peut-être? Parce que ça a l'air très spécifique en fait, où ça s'abat. Donc je pense que c'est pour... On devrait y aller en premier en fait. Par contre, j'ai quasiment plus de soins moi. Non, on va continuer. Ok. En haut. Là. Okay, très bien, on est à 7. Wow! Ah, ça tue en fait. C'est pour ça que je me demandais. C'est pas, ça a pas l'air d'être des trucs de feu et tout. En fait, c'est. C'est envoyer des renforts comme ça dans un caillou. C'est marrant. Mais vous l'avez pas tué, bordel. Non, attends. Ah, ok, on peut le casser ça. Faut simplement trouver une baliste ou alors catapulte, un truc. T'es combien toi? 7. Oh merde. Vous pouvez le tuer s'il vous plaît? Que j'ai pas la glace. Merde, okay. Ah, il m'a enlevé mon... Oh, oh mon dieu, c'est quand je retombe en fait, c'est comme ça que je me prends énormément de dégâts, d'accord, j'ai compris. Ah.
C'est moi qui me suicide en fait. Parce que il crache depuis sa tête. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en l'air et que je suis retombé dessus, il a craché à ce moment-là. Je me suis tout pris dans la poire. Pas mal cela, elle est pas mal. Voilà. Lui on pourrait se le faire, mais j'ai pas trop d'élixirs parce que du coup on les utilise hein, les élixirs hein, en fin de compte. Enfin là on fait que des gros démons en plus. En boucle. J'ai toujours pas ma glace. Je voudrais bien ma glace. Ma glace c'est combien putain? Alors c'est 15. C'est pas pour demain quoi. Ah tiens, il y a un passage là. On peut peut-être faire celui-là qui est devant la porte d'abord. Et après on fera celui qui fait la ronde. On va attendre qu'il passe. Ok, go. Où est-ce qu'on va là? Ah, on peut passer dans le château par là, ok. Oh mon dieu, c'est tout détruit quoi. Ah, on peut lui sauter dessus. Mais casse-toi, toi! Comment t'es là? Je peux pas y aller, moi. What? Ah! Oh, merci. Ah, il doit être content, le mec. Il m'a balancé une bombe pendant que je sautais. Il doit être content. Ok, donc on peut passer par là. Ah oui, oui, la fosse. Parce que j'ai un peu oublié la fosse. Poudre draconique. Faudrait que je la mette en raccourci, la poudre draconique. Ça peut être un... Attendez, on va faire comme ça. Ça peut être un bon objet pour rester en vie. Poudre draconique. Là, et je veux l'inverser avec ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup le menu de Elden Ring, moi, personnellement. Parce que ça permet de pas trop mettre... trop d'objets en fait sur la barre, parce que là c'est un peu emmerdant si on est en plein combat de ruisseler entre les objets. Ruisseler ? Non, bon c'est pas grave, vous m'avez compris. Et il y avait ça, et après on maintenait je sais plus, un des touches du haut de la manette, je sais plus laquelle. Mais ça perd, ou alors c'est triangle, j'en sais rien. Mais ça permet d'avoir un autre... comment dire... une autre fenêtre en fait. Pour les autres objets, enfin voilà, c'est vraiment sympa, honnêtement. Là, on a vraiment le classique Dark Souls 1, genre, là, c'est un peu nul. J'aurais bien voulu qu'on ait un peu mieux pour les objets. C'est pour ça que je mets quasiment rien, enfin, je les utilise même pas, de toute façon. Je me demande si je peux passer dans son dos. Je suis sûr que je peux passer dans son dos. Ben oui. Ah
ça a une portée quand même. Très bien. Voilà. Attends, c'est le vide. D'accord. Apparemment, c'est le vide. Super. On a un chat, un singe, un gros. C'est un peu bordélique tout ça. Ah d'accord. Oh bien. As if I needed encouragement. Mais qu'est-ce qu'elle fait, ma magie? Okay, très bien. Ma magie, je sais pas ce qu'elle a fait. Un moment. Je sais pas, je crois qu'elle est buggée hein, en fait hein, les éclairs qui tombent. Des fois ils tombent un par un sur l'ennemi, je comprends pas. Est-ce que c'est en rapport avec l'esprit? M'étonnerait hein. Bravo. Il est où le singe? Il est là. Merde. What the fuck? C'est quoi ce lag? Mais putain de merde, lag! Oui, genre là, elle refait pareil! Qu'est-ce qui se passe? Genre... Oh, d'accord, ça tombe même plus. What? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, même si je suis en négatif. C'est pas par rapport à mon esprit. Non, je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment... On peut pas monter dessus. Okay. Ouais, c'est bien ce que je m'en disais. Que dalle. Note d'assassin de Yuan Shao. Alors, j'ai eu pour terrible mission de tuer le général de Cao Cao à l'aide d'une flèche imprégnée d'élixir afin de causer le chaos dans leur rang et de gagner du temps pour nos alliés. Mon agilité à l'arc était une malédiction et non une bénédiction. Si je réussis, je serai à la merci des hommes de Kao, et si j'échoue, Yuan Shao fera de moi un exemple. Que soit maudit cet hypocrite de Yuan Shao. Pas mal.
Là, du coup, c'est celui-là qui a tiré sur Xiao Dun, j'imagine. Oh merde, il y a un truc juste là. Ah oui, il nous a vu. Elle est trop lente cette. On a des. Ouais, là, par contre, là, je suis dans la merde. Ouais, putain, j'arrive pas à bloquer parce que je suis débile. Sans ma glace, je lutte un peu. Après, l'électricité marche sur lui quand même. J'ai encore refait la même connerie. Je lui ai sauté dessus alors qu'il commençait à faire l'attaque. Bon bah j'ai compris le piège quoi. Le piège en fait c'est de combattre le gros ici avec cela. Donc faites pas comme moi. Mais bon, nous on n'a pas eu le choix. Mais on est sorti victorieux donc ça va. Alors, on va remonter. Je sais pas trop où on va. C'est un labyrinthe de folie. Là, c'est d'où on vient. D'où on vient, il faudra aller récupérer donc ce drapeau. Je sais pas par où. Est-ce que ça, non? Sur le côté gauche, peut-être? Ah, là. Je crois avoir trouvé. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui m'a vu derrière, je sais pas ce que c'est. Un mage. Attends. Là. Perfecto, avançons. En plus, on aurait pu lui sauter dessus et tout, on aurait pu faire ça un peu mieux. Alors. Il y a elle. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont... Ok. C'est la glace qui marche sur eux, c'est ça? Merde, j'ai fait deux. D'accord. Machin, tu vas rester genre sur ton perchoir constamment? Comment ça se passe? Yuan, il est... Ah, c'est bon, t'es descendu? Non, le poison ça marche. Nickel. Ça c'est la grande porte. Merde. Piège. On est à 12. Ok.
As if I needed encouragement. Il nous faudrait, ouais, il nous faudrait la une différente attaque de glace en fait. Ouais, une différente attaque de glace pour monter de niveau en fait. Le temps qu'on arrive à 15. Qu'est-ce qu'elle fait, ma magie? Je comprends rien du tout. Elle est buggée. Je sais pas, c'est très bizarre. Tu vas pas me dire que quand on est en esprit positif, elle est concentrée sur une personne. Parce que là, elle est pourrie, quoi. Très étrange. Les démons en première ligne de l'armée de Yuan Shao ont balayé nos flèches comme de simples allumettes. Que pouvions-nous faire face à une telle démonstration de puissance, si ce n'est nous rendre. Pendant notre captivité, nous avons été réveillés en pleine nuit par un bruit terrifiant. Le paysage autour de nous s'est transmué en une abomination difforme qui crachait des démons de toutes parts. Un grandiosque donc à ça que ressemble l'enfer. Avant de me reposer, je veux voir si on n'a pas loupé des trucs. Je crois pas, hein. Je pense pas qu'on puisse aller sur le côté là-bas. Ah, attendez, là-bas, là. J'ai l'impression que ça c'est la suite, là, avec le drapeau là qu'on vient de faire. Mais je pense qu'il y a autre chose. Quoi, c'est un duel? Toi là-bas. Ah non, mais c'est un truc pour monter dessus. Vous êtes prêts les mecs? Je sens le duel. Bon, j'ai pas ma glace, ça me fait chier, mais bon. On va se débrouiller sans. Tiens, si on utilise ça. Oh là 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 là! Dégage, quoi. Plus de bordel, on enlève tous les FPS du jeu là. Putain, toutes ces debuffs et tout, c'est magnifique. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, tous ces debuffs, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Alors, on avait un truc, c'est l'animal de totem, c'est qui a... Quinglong, gain de ki primordial plus 9%. Ah, mais c'est nul en plus. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est nul, c'est complètement nul. Moi, je veux Tangshi, là, Tangshe. Le renforcer. La marche éthérée, honnêtement, elle est cool. Moi, j'aime bien. Bon, maintenant, on a notre... Merde. Maintenant, on a notre glace. Ah, les gros trucs comme ça, on les massacre. Hein. Et j'avoue que là, les éclairs étaient vraiment très utiles. Donc, ouais. C'est... On n'a peut-être pas besoin de 40 en bois. À la limite. Parce que je crois que c'est 25. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 25. Donc, on a besoin que de 25 en bois.
Bon, 40 en glace, parce que ça, c'est le meilleur. 12. Donc, on peut être un peu plus flexible sur ce qu'on fait, ce qu'on veut. Ah, c'est là. Okay. Ouais, on peut être un peu plus flexible, donc ça, c'est bien. Vous voyez qu'on peut aller en face là ? Ça m'étonnerait. Ah, quoique. Non, si, c'est peut-être ça. Non, on peut pas. What ? Ou alors, c'est un sens unique pour le moment, parce qu'on a... faut faire le tour, en fait. Ou alors, je me suis loupé. Merde ! Non, oui, non, c'est pas un passage. Non, c'est pas du tout un passage. Non, non, c'est... Non, non, c'est... Je crois que c'est pour le... Il y a l'escalier... pas l'escalier. L'échelle. Mais attends, je peux plus revenir. Bon, c'est un truc que j'ai pas vu, alors. Ah! Ok. Eh ben putain. Ok, très bien. Donc du coup, on se retrouve où, là? Donc on se retrouve au-dessus du petit camp. Ouais. Et donc là, c'est le... Oui, c'est le truc que j'ai débloqué. Ça marche. Donc ça fait un cercle. Alors je pense que c'est sur ma droite, hein, la suite. Pas très évident, hein, des fois, de trouver l'endroit, en fait. Qu'est-ce que je fais ? Je peux monter sur le toit, là, ou pas ? Ah. Bah oui, hein. Bah, attention. Donc là, c'est quoi, là ? D'accord. Merde.
Oh là là. Oh là 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 là. You won't regret helping me. Bah, évidemment, là, y a rien, quoi. Très bien, mon dragon est reprêt. De toute façon, si on nous a, il nous arrive malheur, on peut. On reprend de pas très très loin, donc ça va. Mais c'est un putain de labyrinthe, c'est ouf, hein. Je. Pas très fan. Enfin, après, le design est cool, mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas le plus fun, hein, pour se déplacer, mon dieu. Faut regarder partout. Ok, donc ça, on l'avait fait, c'est avec le gros qui crachait du feu. Ouais, y a pas d'objet. Ouais, on est bon, on est bon. Donc on a fait le plateau supérieur ici. Donc maintenant, on peut monter. Je pense qu'on peut passer sur le côté. Oh là. On pourrait se reposer, mais j'ai pas envie. D'accord, on a le singe et c'est tout. Ah non, il y a un porc épique qu'on avait vu tout à l'heure, à droite. Il y a sûrement des mages, voilà. Oh là là, comment je fais de la merde. Je sais pas pourquoi je lui ai foncé dessus. Could I be bested so easily? Très bien. Peut-être un moyen de lui monter dessus. Ah, les gros qui font du feu, hein, c'est un peu une catastrophe. Surtout qu'ils ont ça partout, là. Il est boosté ou pas? J'ai l'impression qu'il est boosté, là. Oui, 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 il est boosté. J'avais pas vu. Ok, donc on va attendre. On va d'abord taper le singe. Est-ce qu'on peut assassiner de plus loin si on a de la discrétion? Parce que ça, à la limite, ça serait marrant d'avoir ça. Ce serait intéressant comme mécanique. Mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est plus aléatoire qu'autre chose. Ah, il est un peu teubé. Bon, j'ai fait un peu de la merde. Moi aussi, je suis teubé, j'avoue.
Moi aussi, je suis un peu teubé. Ah, il y a plein de cocons avec des trucs dedans. Un qui est tombé. Ah. Ah, super. Oh mon dieu, le machin. Oh là là là, on est mal ici. Ah, les FPS, ils ont disparu. Hein. C'est abracadabra. Hein. Mais on a super bien joué. Mais... abracadabra, plus de FPS. Pourquoi je... Oh là là, tombe pas. Au-dessus. Je sais pas, j'ai peut-être un truc devant moi, là. Mais devant moi, c'est le vide. Oh là là. Avancer, je pense. Ah, je détecte des choses sur le radar, mais je sais pas où ils sont. Ouais. Vous allez me faire ça à chaque fois. C'est pour descendre, c'est pas pour monter. Go to. Ah, c'est con pour toi. Hein. T'as de la chance, je dois aller là. Enfin, t'as de la chance, non, mais... Oh mon dieu, je suis bloqué. Oh non. Je suis du mauvais côté. Je peux pas passer. Oh là là. Oh mon dieu, par où je passe? Faut surtout pas se reposer ici, hein, parce que il va y avoir tellement d'ennemis qui vont réapparaître. Faut aller plus haut encore. Ça vaut le coup. En plus, il y en a deux. Ça vaut le coup. Fun ce niveau. Okay.
Il manque encore deux petits. Ça, ça m'inquiète. Attends, on peut aller dans son dos. Deux petits drapeaux. Attends, toi t'es venu de là. Un peu. Ou peut-être pas. Attends. Parce que il est là. Moi, je pensais qu'on pouvait aller là directement, mais peut-être pas. Ah ! Ah, mais j'ai cru que c'était Cécile. Non, c'est bon. Yep ! Ah, poudre draconique. Ah, ça, c'est cool. Ah, mais du coup, je peux pas... Ah, si. Waouh, un objet inutile, c'est bien. Bon, ben, ok, cette partie est faite, je pense. Ah, j'ai intérêt de trouver tous les drapeaux, hein, parce que je vais pas me la retaper, cette zone. Hein. On est allé là? Oui, 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 on est allé là. Ok, allez, on monte. Quand tu veux, tu t'attaques, fais un truc, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, genre au bout d'un moment, on va falloir faire un truc, parce que là, quand même... C'est marrant, c'est pas le dernier drapeau. Alors que ça a l'air d'être le dernier boss. En fait. Je suis quasiment certain qu'on n'a pas loupé de zone. Donc peut-être après. Ah, drapeau là. Bah merde, attends, alors, on va se reposer. Ou alors, si, j'ai peut-être loupé un lieu. Ça, ça m'embête, ça. Il y a un truc là. Il me manque un et un. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on va avancer parce que je trouve ça bizarre en fait d'avoir loupé un gros drapeau en fait. Pour moi, ça n'a pas trop de sens de louper un gros drapeau. Ouais. Bon, peut-être qu'on va cette fois, on va avancer, puis je referai la mission de côté, de mon côté, et je montrerai les drapeaux. Ça m'embête, ça. Vas-y, on avance. You truly believe to have me cornered? How mistaken you are. The power to control this world lies in none other than... This resplendent crimson glow.
Oh, il a une sorte de fouet en fait. Fouet serpent avec un bouclier. Non, c'est pas un bouclier, Jeanne. Ok, il est immunisé à la froid. Oh là là. Ah ouais, c'est vraiment un fusil à pompe son machin. Ah, il recharge en fait. Je sais pas pourquoi je fais de la glace. Non, le défonce là, c'est ouf. Wow. Ah ouais, on le défonce avec les altérations d'état et tout. Très puissant. Ah, c'est pas le serpent là que j'ai, que j'utilise. My father was highly respected for his official rank. I too held him in great regard. Yet he willingly set me off as an adopted son, severing the bond between father and son. After spending time with Amon, my trust in the bond between people was somewhat restored. However, when those who I considered friends left me as I stood before my capital in flames, my fragile notions of those bonds were shattered. All that I could cling to was the power I drew from the Crimson Glow. In the end, even that was not sufficient to lead me to victory. I can scarcely believe that a true bond holds so strong and shines so brightly as this. I suppose I ought to thank you. You're late, Amon. Finish your conquest without delay, and prove that bonds truly do have value. Benchu, in death you will be a star. So watch over me to the very last. Gather up all of the elixir here. I'm leaving the rest to you. C'est quand même costaud un hein, Kao hein, parce que bon, il porte le mec avec son armure. On est déjà de Xuan Wu. Ah, c'est pas fini! Ah, j'étais en train déjà de me dire, ah, je vais devoir recommencer et tout. Rajouter un morceau de vidéo pour montrer les... Ah! À tous les élixirs! C'est marrant, c'est ça. Ah, mais il avait dit qu'il fallait les récupérer, non? C'est marrant, ça. En plus, c'est les élixirs, du coup, c'est ça. Hein. Si je dis pas de conneries. Ça, en fait.
Le pouvoir de réutiliser les dantians, des parties du corps qui agissent comme centre énergétique et actuent le ki afin d'améliorer le moral. Cependant, une overdose peut entraîner la folie. L'usage est donc été extrêmement réglementé. Enfin, c'est peut-être pas exactement la même chose. C'est un. Je sais pas, ki démoniaque, j'en sais rien. Bon, si j'arrêtais de m'amuser. Si j'arrêtais de m'amuser. Ah, j'espère qu'il y a un petit drapeau qui traîne parce que j'ai vraiment pas envie de refaire le niveau quand même. That's that dragon. I recognize its howl. Yuji will doubtless be there as well. Cool. We'll finish what my brother set out to do. But we'll be up against Yuji and that dragon. This will be a fight unlike any we've had. Ouais. Let's make sure we are fully prepared for this. Ouais, ça serait bien d'avoir genre un forgeron hein. We'll finish what my brother set out to do. Merde, je crois qu'elle est derrière moi. But let's make sure we are. Non, elle y est pas. J'ai rêvé. J'ai cru, j'ai vu la forme. J'ai dit, ah, c'est un marteau, c'est un forgeron. Non, non. Non, non, non t'es... tu retournes au village, quoi. T'es obligé de retourner au village. J'ai pas envie d'aller recharger les parties et tout ça, moi. Sortilège, objet. Animal totem. Alors, on a eu Xian Wu, c'est une tortue. Alors, dégâts à distance, recharge des munitions d'une arme à distance et puis un frappe mortelle réussi. Détection d'ennemis. Ouais, c'est pour les trucs à distance, quoi, en fait. Ouais, c'est glace. Alors, invoque pour rattraper les ennemis à proximité avec une vague de givre en continu ainsi que les ennemis les plus proches avec des projectiles de glace. La portée d'attaque augmente, ok. Bon, bah, c'est un peu nul. C'est. Un peu nul. You will know why I am the pillar of the Cao Cao army. J'ai pas l'impression que le petit drapeau soit là. Hein. Ah, en bas. Bonjour. Ah oui, est-ce qu'on a eu fierté comme champion? Non, on n'a rien eu de très spécial. Ah, chef général de Yuan. Une moitié. Ferveur spirituelle. Ouais, c'est pas vraiment top hein, ce qu'il donne. Merde, je crois que je suis trop loin. Général en chef. Ça a l'air pas mal, ça. Attends. Là. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de drapeau. Oh, fais chier. Alors, saut du général en chef. Fais-moi rêver. Change. Dégâts martiaux, durabilité de l'esprit, accumulation, électrocution. Ah, c'est de Yuan Shao, en fait. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça que je me demandais ce que c'est, pourquoi c'était comme ça. Ok, donc Yuan Shao, il a besoin d'un accessoire.
Bon, vous savez quoi, ce qu'on va faire, vu que c'est juste un petit drapeau, donc je vais couper là. Et je vais partir à la recherche du drapeau. On va faire comme ça. Ouais. À tout de suite. J'ai trouvé le drapeau. J'ai fait un bordel monstre par contre. J'ai fait un bordel monstre et je suis en train de... Oh mon dieu, et les FPS aussi sont partis. Ok, très bien. Donc en fait, je suis passé... Alors attendez, est-ce que on y était passé à cet endroit ou pas? Oui. Oui. Mais je suis passé en fait par le feu. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Donc en fait, le drapeau, il est là-haut. Vous voyez, on le voit sur le radar. Donc c'est le drapeau du début. Je sais pas comment on y accède, sur le côté gauche j'imagine. Mais oui, il y a un passage avec un feu, donc je suis passé par là parce que je me suis dit tiens, il y a une zone secrète, mais en fait pas du tout vu que c'est la zone d'ici. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais ouais, ça doit être au fond à gauche. Ah, c'est là, ok. Bah voilà, c'était vraiment au tout début. Très bien. J'ai esquivé son attaque en faisant la mienne. Ouais, bon bah voilà, ça m'a coûté 2 de morale. J'étais à 25. Normalement, on a un objet pour se téléporter, je crois. Permet de retourner auprès du dernier drapeau de combat utilisé. Hop là. Ouais, on est bon. Bon ben voilà. Bonne chose de faite. On a tous les drapeaux. Nickel, je suis content. Ça m'étonnerait quand même que ça soit la fin du jeu, mais on va voir. C'est parti. To have made it this far, I dare say, the fates favor you greatly. How about it? Help me forge the ultimate elixir and join me in immortality. We'll put an end to your evil scheme! Hong Jian! Lend me your aid! Immobilize the dragon! You would refuse my offer. So be it. Then become a sacrifice on my path! Okay. Your destiny is to become a sacrifice. Aha! Yeah. Oh là. Oh oh oh! Ouh, chante-toi ton épée, elle va me plaire, non? Non, merde. Ok, c'est quasiment instantané, en fait. On dirait des attaques à la DBZ. Il a fait juste une attaque, il a pu éviter tous mes trucs.
pas très dur, honnêtement, pour le moment. Ouais, non, mais y a une connerie, là. Y a une connerie, il est trop simple. Allez, deviens un gros démon. The ultimate elixir rests out of my reach yet. But you have given me no choice. Now it has come to this! Forged of chaos, born on this land! Upon this elixir, I offer my life and be reborn! Les soutiens de Gwagwa! Ok, il a fusionné avec le dragon, pas mal. Bon, Xiaodun et Yuan, vous êtes prêts? Mon dieu. On peut lui mettre du poison? Il s'est pris des dégâts. Oh mon dieu, tu vas devoir lui courir après à chaque fois. Ok, il est pas sur moi. Sérieux là, le poison il s'arrête un jour ou quoi? Je vais voir un peu ça. Ouais, merde. Tiens, bloqué. Ça prendra. Ok, il prend pas les debuffs mais il prend les dégâts en fait. J'arrive pas, je peux pas le taper en fait pour récupérer mon esprit. Boum. Dernier. Ah. Ah, ça marche bien honnêtement avec mes magies. C'est top. Oh, c'est méga top en fait, c'est abusé. C'est super efficace, c'est ouf. Ah c'est incroyable comment c'est efficace. Pour détruire l'esprit. Waouh, non mais sérieux. Ah tous les totems et tout. Ah c'est classe. Ah ok, j'avoue. Là c'est classe. C'était classe. Ah carrément, ah c'est déjà fini. Bon, du coup, on a sauvé lui. It's over. Wow, c'était rapide. Lost. My brother can rest in peace. Donc, du coup, c'est qui le mec aveugle? Dans l'histoire. Parce qu'on l'a vu au début, faudrait lire en fait le descriptif s'il y a plus d'informations. Champion de Heishan. Ah, c'était stylé, hein, mais... Waouh, une fraction de seconde, c'est fini, quoi. Bon, bah, j'avoue que les magies, là, elles font... Donc, elles mettaient pas d'altération d'état. Par contre, ils prenaient, genre, les effets des arts martiaux, je crois. Mais pas le froid, le feu, tout ça. Mais par contre, ça détruisait son ki, hein, d'une force énorme. Ça, c'est pas mal. Well, we will leave the rest to you and head back. Ça avait l'air trop simple. I'll make sure to come and see how you're doing. Okay.
Oula. Ouais, il y a une embrouille. Oh ! Village de la montagne isolée. Adolescent aux yeux bandés, adolescent aux yeux bandés. Alors vas-y. Ouais, je suis sûr qu'il y a un truc avec lui. Alors, ma famille a dû fuir pour une autre contrée. Mon père est mort et j'ai été séparé de ma famille. Mais les villageois ont été tellement bons envers moi que j'ai pu survivre. Les turbans jaunes se sont rebellés dans l'intention de créer un monde idéal, mais ils ne changeront rien avec leur violence aveugle. Même comme ça, la dynastie Han s'effondrera ici. D'ici peu, ils ont peu que... Et l'on ne peut que spéculer sur l'évolution de la situation. Bon, on va continuer parce que c'est apparemment il y a un seul drapeau et ça, du coup c'est sûrement un combat. Ouais, on est au début, c'est bien ce que je pensais. Début du jeu. Sur la même montagne en fait. Bon, ça va faire un peu un épisode long, mais ce sera le dernier, du coup. Je savais que ce sinistre dragon ne présageait rien de bon. Dès qu'il est apparu, ces bandits de turban jaune ont assailli le village. C'est terrible. J'ai comme l'impression d'entendre les râles s'échapper de cette amoncellement de cadavres. J'ai eu de la chance d'être parti vendre ma marchandise, mais de mon paisible village, il ne reste plus rien. Ouh, ça parlait déjà d'un dragon avant que les turbans jaunes arrivent. Ouh. Donc du coup, c'est avant qu'on arrive aussi. Donc c'est sûrement le jeune en fait qui fout la merde. Peut-être. Il y a des... Ah non, j'ai cru que c'était des papiers qui mettent dans les arbres. Ah, ce folklore chinois, ça me rappelle aussi un peu le folklore japonais et tout ça. Project... Ah, on peut passer par là maintenant. Il y a Project 04 qui va sortir. Ça donne envie. On fait un peu le tour pour voir s'il n'y a pas des écrits encore à prendre, mais on va avancer. Ah. Je sais pas pourquoi je parle de Project 0. C'est le folklore, ça m'a... Note d'un villageois. Quelle chance que ces miliciens soient venus jusqu'à ce minuscule village. Ça, c'est de nous. Ça, c'est parce que nous, on était un milicien à la base. L'un d'eux était à l'article de la mort quand soudain son corps fut enveloppé d'une lumière et il s'est révélé. Était-ce un rêve? Il s'est relevé. Était-ce un rêve? Donc, ça, c'est de nous. Je suis sûr qu'on nous utilise pour créer l'élixir suprême ou un truc comme ça. C'est sympa qu'il y ait des écritures comme ça, là. Je ne peux plus vraiment... je n'en peux plus, vraiment plus, de tout ça. Combien devront encore mourir pour laisser place à notre idéal? Le paradis ocre s'éloigne un peu plus chaque jour au rythme où nous perdons nos batailles. Au diable, les balivernes du taoïste de Taiping. Je vais m'enrôler dans l'armée impériale. Je tuerai tous les turbans jaunes. Je les tuerai tous jusqu'au dernier. Ok. On est à 18 de... Enfin, 18, ça nous permet d'avoir tous nos sorts. Ah, j'espère que c'est encore un monstre bien large. Comme ça, il va se prendre tous les sorts d'un coup. Je vais voir un peu. On est à la partie 7, en fait. Le dragon penché rugit. Le plan de Yuyin, le taoïste noir, ont été mis à mal avec le adolescent, encore une fois, qui ne s'est pas encore réveillé. Vous retournez à sa maison dans le village où vous vous êtes rencontrés. 93, ça marche. Si c'est pas long, on continuera, sinon... Allez, c'est parti! Je vais voir un peu de ce qu'il en retourne de cette histoire. I used elixir to merge with Xielong, and the strength of our pact returned me to human form. That had an unexpected effect.
The dragon's elixir field is now inside my body. I am grateful to you. And as a reward... Every last one of you shall perish by my hand. Do not stay your prey. The only way to defeat him is by cutting me down. Merde. Ma main. Oh là là, t'as plein d'attaques. On peut te mettre des debuffs? Oui, on peut te mettre des debuffs. Merde, j'ai pas réussi. Mon dieu, tu t'appelles Vergil, gros? Oh là là, je l'ai fait. Merde. Oh, il a augmenté son attaque en fait. Moi aussi je sais faire de la foudre, tiens. Faut que je fasse mon attaque plus tôt en fait. Ouais, bon, là, la caméra elle m'a pas trop aidé quand même. So long as I am a dragon host, my spirit is eternal. Merde, j'arrive plus à la... Bah, d'accord, oui, non, je suis nul. Non, je l'ai pas renvoyé. Merde. Je me suis pas soigné exprès. Je me suis dit, tiens, je vais la renvoyer, ça va être magnifique. Ah non, apparemment non. Il peut contrer, hein, comme moi. Ouais, j'avoue qu'on prend cher à chaque fois. Ce serait mieux de se mettre en tank, honnêtement. Thank you.
fais, bordel, je saute. Mais putain, je sens que je vais partir en tank parce que là, ça commence à me gaver. Là, ça commence à me tuer. Il est en ki positif. Putain de merde. Ah, poison. C'est quoi qui est contre l'électricité? Ah, cette attaque, elle est horrible. Tellement rapide. On va spammer la glace en fait, je crois que c'est le plus utile. Oh, je l'ai cette attaque. Il a les attaques de tous les chefs en fait. Ouais, mais je vais pas y arriver. Hein. Y arriver. Non, oh non, ça aurait pu être la dernière attaque à parer. Ça aurait pu être la dernière. Honnêtement, ouais, on y arriverait très très bien. En... Ou même à la limite en... En KO KO. Ouais, à la limite. Pourquoi me faire chier? Par contre, je vais juste sauvegarder celui-là. Voilà. Et là, on prend... Ah, mais attendez, le niveau, il n'est pas le même. Oh... Ouais, changer d'armure en fait. Oh putain. Amélioration. Ok. On n'a pas les bonnes stats ici. Je crois que j'ai fait de la merde. Je suis en lourd maintenant. Je crois que j'ai fait de la merde. On va voir. Yeah.
prend un peu moins cher. Ah, cette attaque de merde. Ah non. Toujours cette putain d'attaque de merde. Yes. Non. J'ai du mal à celle-là. Bon, c'est pas mal avec tous les debuffs là. Comment il joue là? Okay, on va esquiver ça. Ça m'a touché quand même. Hop là. Juste au cas où on se soigne. Ouais, non, quand on est un peu plus résistant, ça va, ça se passe beaucoup mieux. Il me reste encore 3 potions, je pense. Ah, c'est difficile hein, de combattre un humain hein, qui peut parer et tout. Il est pas mal. Elixir field become known. And so, I sealed off my eyes and the terrible power within them. Yuji drained my body's energy in his effort to create an ultimate elixir. However, I resisted and prevented his dark power from controlling me totally. It was my belief in you that allowed me to do this. Seeing you bravely fight on, never losing faith in your allies for a moment, has given me the courage to now open my eyes. Just picture his beaming face now. With Zudong's help, we're 100 strong! Brothers, let us renew our oath.
Nah. To do all in our power. As brothers, sharing one heart, caring for each other, and aiding those in need. We will support the Han court and bring peace to the commoners. Aim north. Ah, Zuyu, Jean. Je disais que il manquait Zuyu. Ça va être la bataille de sur l'eau. I see your men are well trained, Gongjing. My lord, I assure you, the enemy shall rest upon the riverbed. Ouais, Zuyu, c'est un des stratèges des Wu. Ah, il y a les Wu en fait dans l'histoire qui se sont fait un peu, bah, ils ont perdu Sun Jian quoi. Brother. Ah oui, Sun Ce. Et Sun Ce aussi. For ouais. The future of the Swen clan. Allez. Finally, we're going to the south. It seems peace is not that far. C'est les Wu normalement. That said, the recently appointed Sima Yi seems to be highly regarded. Ah, Sima Yi, ça va être le stratège de Cao Cao. A forbidden power. Et après, il y a Zhu Geliang avec Liu Bei. Je crois que ça c'est. Je crois que ça, ils sont en train de nous montrer un peu ce qui va se passer pour les DLC. Je suis sûr que c'est ça, hein, les trois, ça va être les combats en fait. Avec entre les trois royaumes, les DLC, je pense. Ouais. C'est marrant qu'ils mettent des personnages en fait super connus qui sont assez importants, genre à la fin, donc ils vont sûrement être très importants. Enfin, importants, ils vont être le centre de l'attention dans les DLC, genre Zuyu, Sima Yi, tout ça. Mais ouais, du coup il y a Sun Jian qui est mort, il y a Sun Ce qui est mort. Après Liu Bei, bon il est redevenu humain. Xiao Dun c'était le badass de tous, il s'est pris une flèche dans l'œil, il s'est transformé en démon. On lui a mis une branlée. Après Cao Cao il arrive, il dit non mais oh, tu vas te réveiller non. Le mec il est redevenu humain, il s'est arraché la flèche et c'est bon, il est reparti. Le mec. Badass le mec quand même, hein. Badass. Vraiment badass. Bon bah ça va, c'est sympa. C'est sympa, on a fini le jeu. Épisode un peu long du coup. Mais c'est pour la fin. You're leaving? There's demonic chi that needs quelling. Will you be coming? I will stay here. With these eyes that discern fate, I must forge the next era. Ah, elle a le masque de... Je crois qu'elle a le masque de Lobo à sa ceinture. Bah du coup c'est pas lui Zogelian. M'étonnerait quand même. Ah ça c'est. Oui c'est la bataille sur l'eau avec les Wu et les. Je sais plus. Mais ça elle est connue. Azuyu. Ouais avec Cao Cao du coup. Ouais. Ça, c'est les batailles les plus connues, en fait, je crois. Il y a Cao Cao... Je sais plus comment il meurt, Cao Cao. Je crois qu'il se fait assassiner. Ah, je crois que c'est lui, Zhu Geliang. Le stratège de Liu Bei. Je pense que ça, c'est le premier DLC qu'on va avoir. Quasiment certain de ça. Ah mais c'est lui, voilà, je l'avais dit que c'était lui. Je suis sûr que c'est lui. C'est lui qui va, il va travailler sûrement avec Liu Bei, je pense. De Yinglong. Tu devrais recevoir plus de protection à part de l'animal totem Yinglong.
acier de rang. Ouais, on peut le farmer pour avoir du... Pardon, du rang 9, j'imagine. Le mec. Le boss. Parce qu'après, il n'est pas très difficile, hein, donc bon. Ça peut être un système... Ah ouais, un truc. Enfin, par contre, il faut refaire le tout le niveau. Il faut courir et tout, c'est chiant. Ça serait bien que ça soit juste un combat direct. Bon, bah c'est sympa. J'aime bien l'histoire. Moi, ça me parle plus, du coup, pour toute la Chine et tout, vu que j'étais très fan des Dynasty Warriors à l'époque. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc, ouais, je trouve ça cool, moi. Alors, je vais voir un peu. On va regarder vite fait ce qu'on a. Taoïste maléfique. Manteau de Taoïste maléfique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, gain d'esprit en parent, dégâts d'éléments, ça c'est bien. Augmente les dégâts subis avec du sortilège et dégâts du sortilège. Ouh, 6.7. Ouf, ça fait mal ça. Pas mal. Alors, lame étoilée. Ok, 254, c'est bien. Très peu. C'est quoi comme... métal en premier, puis bois et feu. Ouais, je suis pas super fan des stats par contre. Voir un peu l'épée. Elle est jolie, le fourreau il est joli. C'est la même type d'épée que Cao Cao. Ah mais attends, on en voit que deux en fait des épées, pas trois. Oh ok, on peut être Virgile, ça tue. Ok, c'est marrant. On va voir ce qu'ils disent. Alors... Maintenant enfoncer l'art martial au moment activé pour accumuler de l'énergie et améliorer la puissance de l'attaque. Effet supplémentaire, esprit élevé, augmente les dégâts et empêche... Oui, bon ça va, c'est comme tout le monde. Divisez votre arme en lançant des coups successifs. Donc c'est 6. Ça, je pense que ça peut être intéressant à jouer. Elles vont loin les épées ou pas? Elles vont pas trop loin quand même. Hein. Moi, j'arrive pas trop à distinguer la... Ouais, bof. Je pense qu'en solo, ça peut être intéressant. Genre, vous avez les épées, vous pouvez attaquer de loin et tout ça avec ça. Et par contre, il faut jouer mage, je dirais. Alors après, vous pouvez peut-être utiliser seulement l'épée, hein, si vous aimez l'épée, ça oui. Mais ouais, jouer mage, peut être pas mal. Je vais essayer de le modifier, mon mage. Vu que le bois, j'en ai plus trop besoin. Peut-être baisser le bois et augmenter le métal. Du coup, on fera encore plus mal. Bon, après, c'est pas au niveau... C'est pas en 4 étoiles. Ça sert à rien, mais... Mais ouais. Je vais voir un peu le dragon. Bah non, je sais pas si c'est le dragon. Union, oui c'est ça. Pas mal. Alors s'il fait quoi? Ascension divine. Alors on a quoi? Augmente les dégâts au PV infligés lorsque les PV sont au complet. Augmente le montant d'esprit gagné en parant une attaque. Taux de ascension d'équipe. Équipement en éliminant les ennemis. Ah, ça c'est bien ça pour farmer en fait. Et utilise le coup critique et paré. Réduction de dégâts, ça marche. En cas de mort, lorsque le jeu d'animal totem est plein, l'union vous ressuscitera. Vous avez l'option invoquer l'animal, l'union effectue un balayage autour de vous, puis on attaque au monde. Ok. Donc c'est une seconde vie. Et sinon, ça fait une attaque bon un peu banale. C'est quoi par contre l'effet? Ajoute l'attribut pierre à votre arme. Réduit les dégâts de PV subis, augmente l'esprit et gagne un attaque. Ok, c'est de la pierre en fait. Moi. Du coup, ça fait des debuffs de pierre. Ouais.
À la limite, je dirais que si vous êtes pas, vous utilisez pas vraiment l'esprit, ça peut être pas mal de le mettre, en fait. Quand vous jouez, genre sans devoir utiliser l'esprit et tout. Parce que du coup, ça vous fait une seconde vie. Après, le taux d'obtention d'équipement, ça peut être intéressant. Bon, moi, je préfère lui quand même. Hein. Le serpent, il est vraiment top. Le serpent, il est magnifique. Genre, tous les debuffs qu'il met, alors là, ça aide énormément, quoi. Mais ouais. Pour farmer. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ça sera la fin de notre vidéo. Bah c'était bien, on a bien... C'était cool, l'histoire est sympa et tout ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a débloqué en voyage? Alors, vous avez déverrouillé la difficulté dragon ascendant. Celle-ci peut être modifiée, va l'option changer la difficulté. Ça augmente le niveau de morale maximum de l'ennemi et la difficulté de la mission tout en vous permettant d'obtenir plus facilement des objets 5 étoiles rares et de l'équipement avec de nouveaux effets spéciaux. Ah ben voilà, là on parle. Ok. Comment on change la difficulté? Changer. Voilà, là ça me parle. Ouais, ah d'accord, oui, j'avais pas vu là les difficultés. Dragon penché, dragon ascendant. D'accord, ok, donc c'est comme ça les difficultés. Champ de bataille dominé, 0%. Ah. Je crois que ça c'est pour débloquer le reste en fait. Parce que dans Nioh c'était un peu le même système. Ok. Bon, bah moi je vais faire du secondaire, je vais faire tout ce qui est en secondaire. Et puis après on va commencer un let's play... En dragon ascendant, ça va être marrant. Ça va être marrant. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Et faites attention à vous. Ciao.